Coucou mes cafardinhos, je vous embrasse tous d'amour et je vous souhaite encore une bonne année parce que je vous aime, merci beaucoup et voilà tout simplement. Donc je vous embrasse tous très fort, on est à 25 000 abonnés, giveaway, 3 cuts et tout le bordel qui part dans tous les sens, big up à vous, mais tu la pichou, je vous fais des bisous, zou, 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 zou. Alors, bang bang, comment améliorer sa connexion, comment arrêter de laguer, ouais je touche pas, ouais je touche pas, ma bite, ma bite, ma bite, ma bite. Tu te poses ces questions-là, bah écoute, j'ai préparé un petit truc. J'ai fait des recherches et on a fait des trucs sur les rates, etc., 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 etc. Donc, déjà, je vais vous expliquer un truc très rapide entre TIC 64 et TIC 128, même si je ferai une vidéo un peu plus complète sur le sujet. Donc, TIC 64, TIC 128, on envoie toutes les 16 millisecondes des informations sur un TIC 164. Et on envoie toutes les 8 millisecondes, c'est un peu moins, c'est 7 et quelques, toutes les 8 millisecondes, on envoie des informations sur le TIC 128. Donc ça veut dire qu'on envoie le temps de réponse, le temps le temps de latence qu'il y a sur lesquels on envoie des informations au serveur sont deux fois plus rapides ou deux fois plus longues sur lequel on est, en fait, en gros, c'est ça. Ok, donc maintenant les rates, en gros, c'est CSGO, Valve, Gabon, Steam, je sais pas qui a fait ça, mais ils ont fait une mise à jour et pour modifier le système en fait d'envoi d'informations sur les rates et de connexion, etc., pour essayer de mieux gérer l'envoi d'informations et pour mieux toucher avec tout le monde, etc., et créer moins de lag. Le truc, c'est que ça a fait laguer plus de 80% des autres personnes parce qu'ils n'ont pas mis à jour leur CFG, on va dire ça comme ça, etc., 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 etc. Donc par défaut, vos rates sont réglés à 196 600 et ça prend en compte en gros comme si vous aviez une connexion de 1,5 mégasecondes. D'accord? Et en gros, vous allez envoyer donc tous les 16 millisecondes 1,5 mégas de votre connexion. Donc déjà, pour faire ça, il va falloir qu'on aille sur speedtest.fr. Vous faites démarrer le test là ici, comme ça. Donc moi, on s'en fout, ça va faire 300 mégas et 100 et quelques mégas d'upload. Donc moi, c'est illimité, donc je mets le maximum. Mais si vous êtes en campagne ou des trucs comme ça et que vous avez des connexions un petit peu plus basses et que bah, notamment vous avez que 8 mégas de download ou 4 mégas de download ou 2 mégas ou 3 mégas ou des trucs comme ça, bah, vous allez vous baser sur le doc là qu'il y a ici et on va prendre en marge 0,5 mégas, donc 500 KO secondes. On va prendre ça en marge. Donc si vous avez par exemple 4 mégas sur le speedtest en débit descendant, vous avez 4 mégas descendant, vous allez prendre en marge 3,5. Pourquoi 3,5? Parce que toutes les 16 millisecondes ou 8 millisecondes selon sur le serveur selon sur quel serveur vous vous trouvez, vous allez envoyer 3,5 mégas de votre bande passante en information à Steam. Et pourquoi vous laguez? Ben, en fait, si vous mettez plus bas que ce que vous avez, vous envoyez pas assez d'informations, pas assez rapidement. Et si vous avez au-dessus de ce que vous avez, ça vous surconsomme votre bande passante et ça va vous faire laguer et moins toucher. Donc dans les deux cas, ça crée le bourbier pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce réglage soit fait au niveau optimal, on va dire ça comme ça. Et donc vous gérez ça. Donc tous ceux qui ont plus de 7 mégas. Tous ceux qui ont plus de 7 mégas, déjà vous vous en foutez, vous mettez votre rate au maximum. Voilà. Et tous ceux qui sont en dessous, ben vous faites le test et vous allez mettre vos rates comme ça. Donc après, où est-ce que vous l'écrivez? Vous l'écrivez tout simplement dans votre console. Donc vous ouvrez votre console et vous tapez rate 500 000, rate 437 000, ou alors vous le mettez dans votre auto-exec. Donc je vais vous montrer comment on est un auto-exec. Donc démarrer, ordinateur, disque local, programme, Steam, Steam Apps, Common, CSGO encore une fois, CFG et auto-exec. Donc après vous faites un replay, hein. Donc voilà, vous avez votre auto-exec et là vous voyez j'ai mes rates, voilà, j'ai mes rates de réglés et comme vous pouvez le voir, c'est 786 432, moi mon maximum. Et si on revient au fichier que je vous ai fait, 786 432. Donc ça, c'est le maximum. Donc en gros, c'est un petit moyen pour vous de ne pas vous faire laguer. Je tiens à vous préciser que si vous avez une page YouTube d'ouverte, Spotify d'ouvert, iTunes d'ouvert, mais un truc qui vous consomme Internet de toute façon un peu sur le côté, qui vous consomme un tout petit peu de votre bande passante, sachez que c'est complètement erroné parce que vous allez régler pour 400 mégas, pour 4 mégas par exemple, vous allez envoyer
4 mégas de votre bande passante, en fait, si vous réglez avec ce rate-là, vous allez envoyer 4 mégas de votre bande passante. Si vous avez votre soeur, votre cousine, votre mère ou une page YouTube d'ouverte et qui consomme ne serait-ce que 300 KO seconde, bah, au moment où vous allez envoyer les informations au serveur, et c'est assez souvent, hein, c'est toutes les secondes que vous envoyez, c'est moins de toutes les secondes, c'est toutes les 16 millisecondes et toutes les 8 millisecondes selon le serveur où vous êtes. Donc, en gros, bah, ça vous crée un lag, etc., etc. Donc déjà, si vous avez une connexion de merde, évitez d'avoir du YouTube d'ouvert à côté ou des trucs comme ça, ou alors régler un peu en dessous, ou alors régler, prenez 1 méga de marge, comme ça vous avez 500 KO de connexion de marge, et encore 500 KO si vous utilisez un truc à côté, en gros, c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que ça va vous régler en tout cas beaucoup de problèmes, donc vous avez tout le doc ici, voilà, je vous embrasse mes cafards géniaux, on met un pouce bleu, et surtout on partage cette vidéo qui peut être utile pour absolument tout le monde. Ciao, je vous embrasse tous très fort, merci beaucoup, vous me faites kiffer, 25 000 abonnés, je vais vous le rendre avec des giveaways, vous le savez très bien, ciao.